Bonjour mes amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes petites vierges, que vous êtes en forme, que cette pleine lune en poisson, ben oui, elle a été quand même très puissante, très forte émotionnellement. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour ce mois d'octobre. Je tiens à remercier tous mes abonnés qui m'envoient des commentaires, mais vraiment adorables. Je vous remercie infiniment. Surtout pour les messages de mon ange gardien et de mes guides. Vous savez, c'est très court parce que je ne veux pas en rajouter et je ne veux pas en inventer. Donc à chaque fois, ça va être des petites vidéos, mais et ça peut vous aider. Ça peut vous aider pour pardonner. La dernière fois, c'était un message sur le pardon. Après, ça va être un autre message, je ne sais pas lequel. Voilà. Alors, on y va pour vous et je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles petites vierges et vierges hommes. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie que vous veniez m'écouter, écouter votre taroscope et mes autres vidéos. Merci infiniment de votre gentillesse et de votre douceur et de votre... vraiment, vous travaillez dur. Vous travaillez dur. Je vais essayer de faire des petites vidéos pour vous aider à comprendre comment il faut faire. Parce que ce n'est pas toujours évident, parce qu'on est là, oui, il faut pardonner, mais pardonner, c'est pas facile à faire. On se pardonne comment? Je ferai une petite vidéo à cet effet. Voilà. Alors, on va regarder tout de suite pour vous. Alors, bien sûr, si vous souhaitez une guidance avec moi, il y a mon adresse mail, il y a mon téléphone aussi. Oh, elles veulent parler. Oh, les cartes veulent parler, mes amis, et j'arrive même pas à les déscotcher de par terre. Il y en a une, il y en a deux. Oui. Alors, vous avez la protection des anges. Les anges vous chérissent. Vous êtes très, très protégés, mes amis vierges. Et vous avez le tonnerre au loin. Clarifiez les choses. Il y a sûrement des nouvelles que vous allez recevoir, mes amis vierges. Et ça va clarifier une situation peut-être de justice, une situation financière. En tout cas, c'est ce que je ressens. Ici, vous êtes très protégé et je ressens beaucoup l'archange Michaël auprès de vous. Et là, il y a quelque chose là qui va tomber ou qui arrive. Vous sentez peut-être sentir le vent qui tourne ou il y a peut-être de la colère qui gronde en vous ou de l'urgence, quelque chose. Et ça vient hein, pour clarifier la situation. Hein. Il y a des nouvelles, mes amis, mais vous êtes protégés. Je dirais que cette nouvelle va éclairer quelque chose au niveau financier. Ça peut être un héritage, ça peut être des choses à régler administratives, mais ça concerne de l'argent au niveau professionnel. C'est beau, hein. C'est les deux cartes qui sont tombées. Et en dos de deck, la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Il y a vraiment un nouveau chemin là. Vous êtes en train de prendre des décisions. Il est possible aussi que pour certains ou certaines d'entre vous, vous changez de direction, de chemin professionnel. Ouais. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment des nouvelles choses. Il y a vraiment, vous attendez depuis longtemps un allègement. C'est comme si vous étiez bloqué. Peut-être quelque chose qui est dans la maison. Je vois la maison, le foyer. Quelque chose qui vous retenait. Dans le foyer, dans la maison, quelque chose. Mais regardez, vous avez, de toute façon, vous avez besoin d'un nouveau souffle. Vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de nouveauté. Vous avez peut-être besoin aussi de partir, hein, déménager. Alors, on va voir avec les oracles des mandalas d'énergie. Pour vous, pour ce mois d'octobre, mes amis vierges. Ouais, je sens que vous avez besoin de libérer quelque chose, de vous libérer. C'est ce que je ressens parce que j'ai l'impression que vous allez admettre, c'est pas le mot, lâcher quelque chose. En tout cas, il y a des choses qui se libère, qui se... Ouais, il y a une libération là. Une libération dans vos énergies, dans vos pensées. Dans vos pensées. Et il y a énormément d'intuition là. C'est ce que je ressens chez vous. Il y a l'intuition là. Alors,
On va regarder vos énergies pour le mois d'octobre, mes amis vierges. Alors, bien sûr, c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein, c'est pour vous, mes amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Alors, aussi, la Vénus en vierge pour le sentimental, qu'on verra après. Alors, les énergies pour vous, pour ce mois d'octobre, on se libère de quelque chose. Tu es protégé, ça fait deux fois, mes amis, hein. Deux fois qu'on vous dit que vous êtes protégé. Les anges vous protègent. Et moi, je dirais que c'est l'archange Michael qui vous protège. Tu n'es jamais seul. Tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. Ouais, je sens que vous dépassez des choses, des vieilles croyances, des obligations. Et vous allez clarifier quelque chose avec paix et sérénité. Je dis pas, hein, vous êtes peut-être stressé par une situation actuellement, mais il y a plus de sérénité, plus de paix, parce que vous allez aborder les choses plus sereinement. C'est ce que je ressens. Hein. Alors, déploie tes ailes spirituelles. Magnifique. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et lance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. Je sens qu'il y a des personnes qui demandent à vraiment recouvrer leur liberté. Elles ont besoin de liberté. Vous avez peut-être besoin de déménager. Vous avez peut-être besoin de changer de travail. Mais il y a des choses à régler. Et on vous dit, vous êtes protégés. Hein. Et allez, rebelote. Pardonne à toi-même et aux autres. Referme les blessures anciennes. Pardonne-toi et pardonne aux autres pour pouvoir envisager l'avenir le cœur léger. Il y a des guérisons émotionnelles, hein, il y a du vert. Et ça, c'est au niveau sentimental. Il y a peut-être quelque chose que vous avez eu du mal à avaler, du mal à accepter. Et vous allez voir les choses autrement. Pour peut-être consolider davantage votre couple ou votre relation. Voilà. Ça, c'est net et c'est clair. Hein. C'est ce que je ressens. Alors, avec la sagesse de l'oracle pour ce mois d'octobre pour les vierges, ascendant vierge, lunaire en vierge, donnez-moi l'énergie, donnez-moi le ton. Ouais, là il y a la justice, hein. il y a vraiment l'équilibre là, hein. Ici il y a peut-être des gens qui ont des trucs de justice, des nouvelles de la justice. Et ça va être des bonnes nouvelles, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il y a quelque chose qui s'équilibre aussi, hein, dans votre vie. Ouais, c'est ce que je ressens. Vous voyez, il y a eu des nuages là. Hein. Vous êtes encore tracassés là. Mais il y a quelque chose là, peut-être la justice qui vous donne une bonne nouvelle. Ou en tout cas, il y a des choses qui se rééquilibrent, qui sont équitables. Tout simplement. De toute façon, vous changez énormément à l'intérieur de vous. Vous avez envie d'être juste avec vous-même, d'être aligné, d'être juste avec vous-même. Donc, vous allez demander ça à l'extérieur. Hein, ouais, parce que vous avez accepté peut-être des choses et ce n'était pas pour vous. Ouais. Et ça vous a bloqué, vous voyez? Ça vous a bloqué. Dans le mental, on vous dit que vous allez peut-être lâcher le mental pour voir autre chose. Le respect des règles. Il y a des choses qui arrivent pour vous, il y a des nouvelles au niveau de la justice ou des nouvelles d'argent. C'est net, c'est clair. Et là, on voit que vous tournez le dos à des choses qui ne sont plus pour vous ou des personnes qui ne sont plus pour vous. Vous voyez, il y a énormément d'émotions, il y a énormément d'intuition. C'est l'énergie yin, hein. Il y a un... Et vous réfléchissez bien sûr beaucoup. Mais vous êtes guidés, mes amis. Alors, vous pensez, vous faites peut-être aussi la loi de l'attraction, il y a la co-création, mais il y a la créativité aussi. Hein. Il y a quelque chose qui part, il y a quelque chose qui se débloque et ça va réactiver votre créativité, vos idées. Et je sens aussi ici qu'il y a des personnes... qui vont peut-être changer d'activité professionnelle, de domaine professionnel. Hein.
C'est ce que je ressens très très fortement. Hein. Alors, quel est l'animal totem qui va vous accompagner ce mois d'octobre? Quel est l'animal totem? Alors, qui va accompagner les vierges? Qui sont les vierges? Ouais. Le faucon. Profitez de l'opportunité qui se présente à vous et engagez-vous à fond sans aucune ambiguïté. Il y a des nouvelles opportunités au niveau professionnel ou peut-être pour partir. Et vous savez, il faut vivre l'instant présent. Hein. Il y a une opportunité, il faut la saisir. On vous le dit. Le faucon. Très joli animal. Alors, on va regarder avec l'oracle de Lenormand des Fées. L'oracle des Fées. Pour les Vierges. Pour ce mois d'octobre. Oh bah dis donc, ça veut parler, hein. Il y a des nouvelles, hein, mes amis. Vous allez, il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Un nouveau départ, mais vous allez tenir les rênes de votre vie. Vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous plaît. Ça peut être quelque chose de complètement différent. Parce que là, il y a quelque chose à éclaircir. Vous allez avoir des nouvelles, mes amis. Ça va vous propulser en avant. C'est incroyable. Et là, je vois discuter avec un ami, un homme, quelqu'un qui peut-être vous protège, quelqu'un qui vous donne des conseils pour terminer quelque chose, terminer en beauté quelque chose. Il y a, vous avez la réussite, vous avez des changements. Alors, pour ceux et celles qui cherchent un travail, je dirais qu'il y a des nouvelles de travail, mais ça peut être dans un tout autre domaine que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, il y a quelque chose qui diffère, il y a quelque chose qui change, mais c'est très bénéfique pour vous. Hein. J'ai l'impression que ça donne un mouvement. On part. Pour d'autres, il y a des choses qui s'éclaircissent au niveau financier de justice. Et ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous donne des bons conseils, un ami. Terminez quelque chose pour un nouveau cycle, les Vierges. Vous allez quand même vous fier aussi à vos intuitions. C'est ce que je ressens. Ouais. Moi, je sens que vous n'allez plus écouter les Pierre-Paul Jacques, là. Vous allez vous dépolluer hein, de toutes ces idées, ces conseils ou ces personnes toxiques. Hein. Vous avez la clé. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, mes amis. Hein. Vous allez avoir une solution. Il y a une fin de quelque chose. Hein. Vous êtes en pleine transformation, mes amis. Et vous allez bientôt avoir la situation beaucoup plus claire. Vous allez avoir des nouvelles qui vont engendrer des déplacements, mes amis. Pour des papiers, pour une somme d'argent. Moi, je sens aussi que, ouais, côté sentimental, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être une tierce personne. Il y a eu des ragots, il y a eu des choses comme ça. Il y a peut-être eu un courrier ou une lettre ou une tierce personne. Ça, c'est côté sentimental. Une ex ou un ex qui vous avait mis le doute dans votre tête ou qui vous a envoyé une information peut-être sur une trahison. Vous êtes encore avec le goût amer d'une trahison côté sentimental. C'est ce que je ressens. Mais vous allez avoir les clés. Vous allez avoir des discussions. On met au clair une situation. On parle, on échange, on communique comme à un ami. Vous avez la chance, hein, mes amis. Vous voyez, il y a des nouvelles qui arrivent. C'est des choses plutôt bénéfiques qui concernent le travail. Il y a des nouvelles au niveau professionnel. Et vous allez faire des déplacements pour discuter. Avec un homme. Ça peut être pour un nouveau contrat, hein, je vous le dis. Hein. Pour d'autres, ça peut être des nouvelles de travail, mais
Ouais. On achève quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a du déménagement là, hein. C'est ce que je ressens. Ouais. Il y a quand même la justice là, hein. Pour certains d'entre vous, il va y avoir la justice, hein. Et ça concerne bien de l'argent, mais vous allez l'obtenir, hein. Alors, ça peut être les prud'hommes, ça peut être sur un héritage, quelque chose comme ça, hein. Parce que, bon, vous voyez, il y a des nouvelles, hein. Il y a eu un petit peu de stress, un petit peu d'ennui, où vous êtes peut-être stressé au niveau financier. Vous allez recevoir une nouvelle qui va vous faire plaisir, hein. Ouais. Regardez, vous avez le soleil, hein. Il y a des gens peut-être qui recherchent un travail et c'est urgent. Enfin, et là, il y a une nouvelle, hein, qui arrive bientôt, hein. C'est proche. C'est très, très proche. Alors, on va regarder avec l'oracle de Gaïa, puisque vous êtes un signe de terre. On va regarder le message de Gaïa. Moi, je sens que vous êtes beaucoup plus dans une énergie d'écoute de vous. Vous ressentez des choses et vous écoutez justement les messages qui viennent à vous. Et ça, vous avez entièrement raison, hein. Ça va vous guider quelque part, hein. Il y a des conversations avec un homme, conversations avec un homme, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, conversations avec un homme, et ça c'est professionnel, ou pour avoir des informations pour se protéger, pour se délier d'un autre travail. Oh, vous avez les cycles, vous avez la transformation, mes amis. Il y a quelque chose qui, vous êtes passé par différentes étapes, différentes situations dans votre foyer. Il y a peut-être eu des choses au niveau avec votre mari ou avec votre partenaire ou avec des enfants. Et là, il y a des changements, il y a la transformation, il y a la liberté. Il y a l'harmonie et la protection, mes amis, hein. Ok. Vous avez encore le soleil, hein. Il y a de la joie. De l'harmonie sentimentale, au niveau sentimental, il y a l'harmonie dans la maison. Moi, je sens qu'il y en a, il y a des personnes ici. Il y a une purification encore à faire, peut-être karmique, hein. Il y a une régénération. Buvez de l'eau, prenez des bains avec du gros sel. Parce que vous avez été bloqué, hein. On le voit, hein. Vous avez été bloqué, peut-être dans une situation professionnelle, mais pas que. Mais et aussi familial ou sentimental. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a la liberté, hein. Regardez. Vous avez la colombe, hein. La clarté, la liberté, la solution. La paix. Il y a une joie. Il y a l'harmonie qui revient par des discussions. Mais vous avez encore quelque chose à purifier. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a une résurrection, hein. Il y a quelque chose que vous allez terminer, finir, parce que là, vous êtes peut-être encore pris par quelque chose et vous allez avoir des nouvelles, vous allez devoir faire des déplacements. Ouais. Pour d'autres, c'est une nouvelle professionnelle pour un nouveau boulot, un nouveau contrat et ça va être très, très positif. Alors, on va regarder avec les rebelles sacrés pour vous. Parce qu'il y a comme une rébellion en vous. Calme, mais il y a une rébellion. Non, on ne veut plus de ça. C'est fini. Terminé. Maintenant, c'est dans mon sens. C'est comme ça. Bien sûr, si vous avez des ennuis avec un patron ou autre, hein, d'héritage ou autre chose, vous allez le faire avec la loi, bien évidemment. Mais tranquille. Ouais. Vous les vierges, vous sortez de votre d'un carcan. Ouais, d'un carcan. De toute façon, c'est ce que vous souhaitez, c'est la liberté et de partir. Il y en a beaucoup ici qui veulent partir, déménager. Mais ceux qui sont en train de faire des démarches pour déménager, ça va se concrétiser, hein. Vision de la vie au-delà de la mort. Ouais, vous voyez, il y a une sacrée ouverture du troisième œil, hein. Vous voyez, vous avez de fortes intuitions, mes amis vierges. Vous voyez tous ces yeux-là? Vous voyez dans la nuit, vous voyez les choses et vous les ressentez.
Peut-être qu'il y a de la magie aussi qui s'opère dans votre vie. Peut-être que vous êtes dans le noir actuellement ou vous avez peut-être peur, vous êtes stressé par une situation, mais il y a quelque chose qui arrive qui éclaircit votre vie, qui éclaircit votre quotidien là. Hein. Soyez le chasseur, pas le chassé, c'est ce qui va se passer. Vous n'allez plus... Faites de beaux rêves. Faites de beaux rêves pour concrétiser et réaliser vos rêves aussi. Hein. Moi, pour moi, il y a des rêves qui se réalisent ici. Que ce soit professionnel, financier ou de départ. Et surtout, ce que je ressens pour vous, c'est la liberté. On se délie de choses, d'un contrat. On se délie peut-être aussi au niveau familial. On quitte quelqu'un de toxique. Ou il y a peut-être un enfant qui s'en va. Hein. Il y a quelque chose là. Il va y avoir une conversation d'ailleurs. Hein. Il va y avoir une belle conversation avec un enfant adulte. C'est ce que je ressens, hein, mes amis. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. C'est très beau votre jeu. On va regarder quelle est cette transformation pour vous pour le mois d'octobre. Transformation pour les vierges. Vous voyez, il y a un gain inattendu. Hein. Il y a de l'argent qui arrive. Hein. Tant mieux, c'est super. Hein. Soyez fidèle à vous-même. Et vous allez l'être, hein, fidèle à vous-même. Hein. Attendez, j'ai un message. Je sens qu'ici, il y a peut-être des personnes qui attendaient une somme d'argent, qui étaient bloquées financièrement pour mettre en avant un projet professionnel. Et justement, cette rentrée d'argent va vous permettre d'aller, de concrétiser votre projet. Il y a des changements familiaux. Hein. Et regardez, vous allez partir. Vous allez déménager, il y a des départs là. Il y a des départs, mes amis. Nouveau départ. Il y a la liberté. C'est fou, hein, je ressens énormément la liberté. Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Il va y avoir des changements corporels aussi. Vous allez avoir la motivation peut-être pour refaire du sport ou changer votre alimentation. Ou... Il y a peut-être des personnes là qui vont faire des démarches, je ne sais pas, pour votre santé, pour votre... Vous voyez, c'est pas négatif, hein. Bon, c'est pas mal du tout. On va regarder avec la lumière des fées. Ouais. Pour vous, mes amis vierges. On va voir si j'ai d'autres messages pour vous. C'est beau, c'est très beau. Il y a une totale liberté. C'est ce que je ressens. Hein. Ouais, il y en a trop, attendez. Elles veulent toutes parler, hein, ces cartes. Hein, c'est les vierges. Ouh. La méditation, la réflexion, la paix, le calme. Vous allez peut-être avoir aussi besoin de vous isoler, d'aller dans la nature pour prendre des décisions. La méditation vous aide beaucoup aussi. La passion, oh là là, regardez. Alors pour les vierges, il y a vraiment un rapprochement sentimental. Vous avez beaucoup réfléchi, vous allez communiquer, je vous l'ai dit, côté cœur. Hein. On se rapproche de son mari, de son hôte, de son compagnon, de sa compagne. On se rapproche aussi de quelqu'un on s'est peut-être éloigné de cette personne, mais on se rapproche. Ouais, c'est très beau, hein. Oh, regardez, il y a la libération, hein. Il y a une libération avec un enfant ou
sais pas, on coupe des liens aussi familiaux qui étaient toxiques et on entreprend quelque chose de nouveau au niveau de job, hein. Au niveau professionnel, il y a des grandes joies. Il y a des joies, mes amis. Hein. Et voyez, la lumière va être faite. Hein. Il y a une libération familiale, mes amis, qui a peut-être aussi entaché votre vie sentimentale pour certains et certaines d'entre vous. Ça va apporter beaucoup de joie. Bah, les choses s'éclaircissent et on peut entreprendre des choses, hein, auxquelles on réfléchit depuis un petit moment. Hein. Pour d'autres, c'est qu'on coupe des liens toxiques avec des membres de sa famille. Hein. Ouais. Une célébration, vous allez fêter quelque chose. Oh, regardez-moi ça, vous avez vos guides à côté de vous, vous allez avoir des messages. Ils sont en train de vous transmettre des messages, hein, vos guides. Vous voyez, il y a des retrouvailles sentimentales. Il y a des retrouvailles aussi karmiques. C'est ce que je ressens. Moi, je vous le dis, il y a quelqu'un. Parce que là, il y avait l'ombre. C'est ce que je ressens. Il y a quelqu'un qui a posé problème. Ça doit être une femme. Une ex. Qui a entaché votre vie sentimentale. Qui vous a embêté, qui a entaché. C'est pour ça que vous avez pris, vous vous êtes éloigné, hein, vous voyez. Et vous avez beaucoup médité, il y a des retrouvailles sentimentales. Il y a une totale libération. Il y a une libération au niveau de cette personne-là qui vous a fait du mal, qui a entaché votre amour, vous voyez. Parce qu'il y a la passion qui revient, hein, et il y a la joie. Et regardez-moi ça, il y a le changement de cap, hein. Il y a une fin de quelque chose, mes amis. Il y a des vacances. Peut-être que vous allez partir un petit peu en vacances. Il y a la créativité. Magnifique. Ben, dis-nous, mes petites vierges, vous prenez votre envol. Hein. Et vous n'allez pas attendre votre quinzaine. Hein. Vous allez partir très vite. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Mais pour certains d'entre vous, il y a la lumière aussi qui se fait au niveau d'un enfant. Vous allez avoir une discussion. C'est un enfant adulte, hein, bien sûr. Ouais, c'est ce que je ressens. On va regarder un petit peu avec l'oracle des miroirs pour vous. Ouais. L'oracle des miroirs pour les vierges, ascendant vierge. Vous voyez, il y a la roue, il y a des changements, des choses qui se remettent en route là. Changement important, hein, pour vous dans votre vie. Hein. Tout se débloque. Il y a un cadeau de l'univers, une nouvelle, une surprise, une opportunité. C'est beau, hein, vous avez un très très beau jeu, mes amis vierges. Hein. Oh, ah ouais, là, fou, vous allez respirer l'air du grand large, c'est ça. Il y a l'étranger, hein. Alors ça peut être vous vous ouvrez au monde. Il y a des nouvelles rencontres, mais ça peut être aussi un départ au loin, à l'étranger, hein, parce que je vois un changement radical. Hein. Vous voyez, on coupe avec peut-être son pays ou on coupe avec des liens toxiques. Ouais. C'est ce que je ressens. Hein. Ah, ouais. Pour moi, il y a quelqu'un, il y a un homme étranger qui vous soutient, qui vous aide. Ça peut être aussi une rencontre sentimentale avec un homme qui a des origines étrangères ou qui vient d'un autre département. Il y a vraiment de l'amour avec cette personne. Vous allez couper avec votre... Il y a beaucoup de déménagements. Il y a des gens qui sont déjà en train de... qui font des démarches, qui sont prêts à partir et ça va se concrétiser. Il y a des papiers, il y a des nouvelles. Ça, c'est sûr. Ouais. Ouais, ça, c'est sûr.
Il y a vos rêves, un rêve qui se réalise, qui se concrétise. Il y a la naissance d'une nouvelle vie, mais voyez, on déménage, on part pour construire un projet, un nouveau projet. On va pouvoir le mettre en place. Attention à la jalousie, voyez, il y a eu la jalousie d'une tierce personne. C'est bien une femme. Au niveau professionnel, il y a un verdict. Alors, c'est peut-être une décision d'un, bien sûr, d'un comment, un patron. Donc, il y a des bonnes nouvelles pour vous, puisque c'est vous qui allez être pris ou prise. Par contre, pour certains, il y a quand même la justice, les prud'hommes ou quelque chose. On va se mettre d'accord au niveau de travail pour se libérer. Il y a une séparation et il y a une fin. Là. Il y a des gens qui arrêtent quelque chose. Et vous allez avoir des nouvelles cette semaine à venir là, au niveau de ce travail. Et là, on va entamer des discussions. Ça va vous stresser un petit peu, mes amis. Mais vous avez la chance avec vous et vous êtes protégés. Je vous l'ai dit, n'oubliez pas, vous avez les anges avec vous. Ok? Donc, c'est très positif. De l'argent, des nouvelles d'argent. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Donc, ça peut être aussi au sujet d'un deuil. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous en ai parlé. Allez, on va regarder avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Les rêves enchantés de Lenormand, pour vous mes amis vierges, ascendant vierge. Qu'est-ce qui se passe pour les vierges? Après je vous ferai les petites... Ouais, tu vois, il y a du stress. Il y a des gens qui parlent derrière vous. Ouais. Vous voyez, vous étiez bloqué, la carte est venue à l'envers. Il y a un déblocage, il y a un accord. Il y aura un petit peu de temps encore à attendre peut-être, avant que les choses s'éclaircissent, vous voyez, mais ça va s'éclaircir. Je vous vois vraiment être serein, sereine. Ouais, c'est ce que je ressens. Vous voyez, dans la maison, il y a quelque chose, comme une conversation. Il y a la lumière, le soleil, c'est plus chaleureux dans la maison, mais aussi dans vous-même. Il va y avoir un déménagement. Il y a de l'amour. Attention à une femme dans votre travail. Il y a une femme qui n'est pas bonne au niveau professionnel. Faites attention, on va larguer les amarres, on va se positionner, on va s'ancrer ailleurs. Vous voyez, il y a l'étoile, vous êtes guidé, protégé, et vous êtes vraiment guidé pour aller ailleurs. Il y a des nouvelles administratives, des papiers importants peut-être pour vous, monsieur, ou c'est des nouvelles d'un homme qui est dans l'administration. Il y a des papiers officiels là, il y aura de l'argent. Vous voyez, on sort de quelque chose qui vous a pris la tête, en tout cas. Il y a de très, très bonnes nouvelles. Vous avez une surprise financière. C'est ce que je ressens. Oui, il y a des sacrées énergies là qui tombent. Ouais. Tu vois, au niveau professionnel, on coupe quelque chose. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des révélations. Il est possible aussi que vous appreniez quelque chose de nouveau, que vous formiez à quelque chose de nouveau, aussi au niveau du travail, qui va vous rapporter de l'argent. Ouais, il y a un cadeau, une surprise. Il y a encore le stress. On voit que, bon, au niveau, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses que vous ressentez aussi au fond de vous. Et vous êtes guidé pour prendre des décisions importantes, pour un nouveau départ. Ouais. Vous allez apprendre peut-être des choses qui vont un petit peu vous stresser. C'est peut-être des masques qui tombent. Il y a un cadeau, il y a une surprise de l'univers là. C'est très beau. Les petites vierges, c'est beau pour le mois d'octobre, c'est magnifique. Vous voyez, il y a des révélations, il peut y avoir des rêves prémonitoires, mais vous êtes extrêmement intuitive. Ça prend de l'ampleur. Vous voyez, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous avez l'étoile. Les émotions aussi. Ça a pris du temps. Mais là, ça s'enclenche. Après, ça va aller vite. Ouais. Il y a un nouvel engagement. Il y a un engagement sentimental. Regardez, il y a l'amour à côté. Mais il y a un engagement peut-être professionnel aussi. Beaucoup d'émotions. Il y a de l'argent, mes amis. Vous allez recevoir de l'argent.
Et vous allez vous engager hein, au niveau sentimental avec cet homme-là. Hein, parce qu'il y a vraiment de l'amour. Hein, où vous vous rapprochez de votre autre parce qu'il y a vraiment, vraiment des sentiments. Vous voyez, il y a des papiers officiels pour ceux et celles qui cherchent un travail et un engagement là. Hein, ça va vous faire joie. Hein. C'est magnifique. Et pour moi, il y a, même dans cet engagement professionnel, il y a du mouvement. Vous serez obligé de déménager ou il y a quelque chose là. C'est ce que je ressens fortement. Hein. Non, celui-là, je l'ai fait, c'est les énergies. Alors, on va regarder avec... Ah bah oui, avec l'oracle des sirènes. Parce que comme il y a beaucoup d'émotions, les sirènes, c'est l'eau. Regarde un petit peu. Wow. On sent que allez, je vous montre la carte. Je sens que vous sortez des choses, vous coupez des liens, vous coupez avec des fausses croyances, vous coupez avec une certaine nostalgie avec vers le passé, vous coupez, vous pardonnez, vous avancez, vous passez au-dessus. Il y a des choses que vous vous êtes jamais permises ou permis de faire et vous allez le faire. Vous allez vous accorder des libertés. Ça va vous faire un bien fou. Bien sûr que bon, votre espace personnel, c'est votre espace personnel. Évidemment, vous êtes assez... c'est tout à fait normal. Hein. Vous êtes secrète et votre maison, votre foyer, c'est privé. Hein. Vous protégez, vous avez bien raison. Hein. Vous prenez des précautions. Ouais. Vous allez prendre des précautions, surtout au niveau de votre famille. Ouais. Il y a aussi des choses secrètes au niveau familial que vous allez découvrir. Mais là, je dirais plus que vous prenez des précautions, vous vous protégez. Ici, on voit que on vous dit, ah vas-y, allez vas-y, hop, c'est le moment là, vous êtes prête ou prêt, tu peux y aller. Keep going, vas-y. C'est beau, hein. Lance-toi. Ouais. Vous êtes très, très sensible. Vous êtes hyper sensible. C'est pour ça que vous vous protégez aussi. Hein. Vous êtes très vulnérable, très, extrêmement sensible. Vous êtes très tendre. Ouais. La Vierge est douce, la Vierge est gentille. Et, mais là, vous êtes très dans la tendresse. Je sens aussi que votre compagnon, il va être là pour vous protéger. Votre compagne. Vous ouvrez votre cœur vers vos envies. Vers les choses dont vous avez besoin. Vous ouvrez aussi, vous dites. Vous êtes dans la communication, mes amis vierges. C'est beau. Tiens, c'est marrant ça. Vous avez un lien très fort avec peut-être les coquillages ou la mer. Vous allez peut-être faire des choses avec des algues, peut-être pour soigner, pour conseiller, pour peut-être faire des choses avec des galets ou des coquillages ou des choses comme ça. Vous allez peut-être vous rendre au bord de la mer ou vivre au bord de la mer. Vous êtes guidé hein, de toute façon. Hein. Vous êtes guidé par vos anges, par vos guides spirituels. Hein. Vous avez Gaïa. Gaïa qui vous a engendré quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui est en gestation. On sent aussi que vous vous élevez au niveau spirituel.
voyez, vous avez besoin d'air. Vous avez besoin de respirer un nouvel air. Et vous allez faire sortir votre déesse intérieure. C'est beau, hein? C'est magnifique. Vous réfléchissez beaucoup. Mais c'est... Regardez cette carte. C'est la... Vous vous voyez tel que vous êtes. Maintenant, vous vous connaissez. Vous savez exactement ce que vous souhaitez. Vous êtes en train de vous sauver vous-même. Vous sauvez votre âme. C'est très spirituel ce que je dis là. Hein? C'est clair. Hein? Et vous faites apparaître votre déesse intérieure. Ça a mis du temps, mais vous y arrivez. Hein? Vous allez vous poser. Vous allez vous ancrer. Mais c'est dans un départ. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, vous allez vous rapprocher de choses que vous aimez, qui sont jolies. Vous allez aussi vous réveiller aussi votre énergie féminine, hein, côté yin. On prend soin de soi, on se fait belle, etc. Vous voyez. Alors, on va regarder un petit message des anges pour vous. C'est très joli, hein. Quel est le message pour les petites vierges, là? Un message des anges pour vous, mes amis vierges, ascendant vierge. C'est une lumière en vierge. Oups, c'est pas beaucoup. Hein. Message pour les vierges, ascendant vierge. Le pardon, encore. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de vierges qui vont peut-être partir à l'étranger. Hein. Et vous en avez envie de toute façon. Cette transformation, elle fait partie aussi de votre transformation intérieure. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Ouais. Il y a quelque chose à pardonner ou vous devez vous pardonner quelque chose. Moi, je ressens plus quelque chose à pardonner. C'est au niveau sentimental. Et vous allez le faire. Et moi, je ressens un rapprochement des cœurs, là, un rapprochement au niveau sentimental. C'est clair. On va regarder avec le grand oracle de l'amour pour vous, mes amis vierges. C'est très beau, hein. Sentimental. Ah bah, dis donc. Vous voyez, il y a une réconciliation hein, pour certains. Hein. Ou alors, on se réconcilie avec soi-même, au niveau sentimental. Alors. Ah bah celle-là, dis donc. Tiens. Bon, de rien, il y a un départ. Peut-être qu'ici, au niveau sentimental, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vit à l'étranger ou qui est dans un autre département. On réfléchit pour... voilà, on prend une décision pour partir, pour rejoindre cette personne. D'autres, c'est simplement que l'on part. On a un projet de départ au loin et on s'en va avec son mari. Ouais. Il y a un engagement très fort au niveau sentimental. Hein. Des promesses qui sont tenues là. Hein. C'est profond. Hein. Tiens, il y a la chance avec vous. On a la confiance. Ouais, il y a eu des problèmes. Hein, dans le... Alors, pour certains, il y a eu des crises au niveau sentimental dans le couple, hein, peut-être. Il y a eu peut-être la confiance qui a été un petit peu égratignée, là. Hein.
Mais il y a beaucoup de tendresse là, hein. Énormément de tendresse. Du changement. Hein. On me dit aussi que vous n'êtes plus dans l'illusion. Hein. Bah oui. Hein. Alors pour moi, ouais, on n'est plus dans l'illusion. Hein. On me dit les choses telles qu'elles sont. Hein, parce que si on veut avoir confiance, voilà, hein, c'est net, c'est clair. Sinon, c'est pas la peine. Hein. Il y a des concrétisations sur un projet de cœur, là. On me dit qu'ici, il y a une rencontre sentimentale. Ça va être une personne très, très douce, très attentionnée. Il y a une promesse, hein, il y a un engagement avec cette personne. Hein. Il y aura une concrétisation dans cette relation. Hein. Ouais, ici, il y a peut-être eu une crise au niveau du couple. On s'est éloigné ou on a voulu être... peut-être qu'on s'est éloigné ou même si on est à côté de la personne, on s'est senti seul parce que la confiance a été ébranlée. Hein. Ouais. Mais pourtant, vous voyez, on avait même pensé à une séparation. Alors, il y en a d'autres, oui, il y aura une séparation. Mais d'autres, j'ai l'impression que on discute, on échange, parce qu'il y a vraiment de l'amour. Hein, c'est solide, votre amour. Hein. Il y a l'harmonie hein, qui revient. Et il y a le bonheur. Hein. Mais il y a eu quelqu'un qui a été jaloux, jalouse de vous. Hein, qui a foutu un petit peu le désordre, qui vous a déstabilisé, qui a déstabilisé le... On était jaloux de votre couple. Ouais, il y a bien une rencontre hein, pour les célibataires ou ceux qui sont libres. Hein. C'est beau. Hein. Il y aura beaucoup de sensualité dans les couples. Vous voyez, il y a de la réconciliation. Hein. Et ça va durer dans le temps, hein, on me dit, côté cœur. Il y a vraiment quelque chose qui, que l'on dépasse. Pour certains, hein, certaines hein, d'entre vous, hein, bien sûr. Mais c'est beau. Hein. C'est magnifique. On va regarder avec peut-être le chakra du cœur. Oui. Oui, on va regarder avec les chakras du cœur. Je vous donnerai un petit message de l'archange Michael. Mais avant, je vous donnerai l'oracle des esprits protecteurs. Quel est l'oracle, le guide, l'ange ou qui va vous accompagner au mois d'octobre? Alors, au niveau sentimental, il y a des changements positifs dans une relation existante. Peut-être que c'est... Alors, pour certains, on me dit que cette personne, vous l'avez peut-être rencontrée au mois d'août. Peut-être que à partir du mois d'août, vous avez échangé des projets. Moi, je sens que pour certains, il y a eu beaucoup de mensonges, de cachotteries. C'est au niveau familial. Il y a quelque chose. Ouais. Mince. Il y a quelque chose là, mes amis. C'est ce que je ressens. Hein. Des mensonges ou quelque chose. Ça va se découvrir, hein. Pour les personnes seules, il y a une nouvelle rencontre. Bon, célibataire. Hein. Ouais. Et ça va être votre flamme jumelle, hein, mes amis. L'âme sœur, flamme jumelle. Hein. Moi, pour moi, ici, il y a eu des personnes qui ont dit des choses qui n'étaient pas vraies, qui ont voulu casser votre couple. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Bon, il y aura cette rencontre par synchronicité, ça va vous provoquer un déménagement, hein, changement de ville. Hein. Mais ici, on a voulu faire exploser votre couple. Hein. Et c'est peut-être quelqu'un de la famille.
Ouais, c'est ce que je ressens. On me parle d'un homme blond ou d'une femme blonde. Il y a beaucoup d'échanges par les réseaux sociaux. On me dit qu'il va y avoir une vie constructive, une vie commune. Pour d'autres, il y a un départ, hein. Il y a un changement de vie, un déménagement, hein. Tu vois, il y a une autre personne qui a perturbé votre relation. Ça peut être quelqu'un dans la famille, hein. Ou dans la belle famille, ou... Vous voyez, il y a eu quelque chose. Ou dans une ex, hein. Et on me dit que tout bouge maintenant. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées. Donc, vous pouvez y aller, hein. Adieu la routine. Wow. Il y a des gros changements pour vous, hein, mes amis vierges. Hein. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Bah oui. C'est beau, hein. Il va y avoir un cadeau, hein. Un engagement. Hein. Alors, il y a peut-être eu des blocages financiers, là. Hein. Alors, on me parle aussi peut-être d'une différence d'âge. Peut-être que la personne sera plus jeune ou un petit peu plus âgée, pas beaucoup, hein. 3-4 ans. C'est beau, hein. Ben dis donc, les petites vierges, c'est très joli, hein. On va regarder le message de l'archange Michael pour vous. C'est vraiment très, très, très... Ah non, je voulais prendre celui-là. L'oracle des esprits protecteurs, pour voir quel est l'esprit protecteur qui va vous accompagner. Le mois d'octobre. Oui, bien sûr. Tout est tombé, hein, bien sûr. Alors, quel est qui va protéger, qui va accompagner les vierges, ascendant vierge. Ah bah oui, hein. La voyante. Hein. Voyez au-delà de la situation actuelle. Vous allez avoir énormément d'émotions, d'intuitions. Et vous allez ressentir des choses, vous allez voir des choses. C'est ce qu'on me dit, hein. Le guerrier, soyez sans peur et tenez bon. C'est beau, hein. La montagne, gardez les pieds sur terre. Oh, bah, il n'y a pas de problème avec vous, les vierges. C'est très joli, hein. Magnifique. Alors, on va prendre un petit message de l'archange Michael. Parce que ça, c'est... On va prendre un petit message de l'archange Michael, je l'ai mis où? Et un petit message, ouais. Je ne sais pas, je l'ai mis. Ah bah, il est juste devant mon nez, oui, bien sûr. Pour vous, un petit message de l'archange Michael, car il est très, très présent, là. Quel est le message de l'archange Michael, mes amis? L'archange Michael. Quel pour les vierges? Ascendant vierge. Explorez vos options. Un nouveau départ et recommencement. Explorez vos options. Vous voyez, elle est encore sur un cheval, la liberté, hein, avec les licornes. Ma prière. Merci, mon Dieu, pour votre amour et votre sagesse qui m'aide à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Et vous avez le nouveau départ et le recommencement. Hein. La prière. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. C'est magnifique. Hein. Vous allez explorer de nouvelles possibilités. Ouais. Et de nouvelles contrées. Alors, vous allez pouvoir me poser une question et les anges vont y répondre. Allez-y, vous pouvez faire pause. Alors, quelle est la réponse là? Attendez. Communiquez clairement. D'accord. On me dit non, pourquoi? Que c'est peut-être pas le moment de... Ou c'est peut-être pas dans les prochaines semaines.
voyez que les choses vont s'éclaircir. Hein. Il faut attendre un petit peu. Hein. Il y a quelque chose de mieux encore. Peut-être qu'on vous dira non dans les prochaines semaines sur quelque chose. Mais on vous dit, il y a autre chose qui arrive de mieux pour vous après. La situation va s'améliorer. Ça, c'est beau. Hein. Il y a des grands changements positifs. Donc, même si vous avez une réponse négative, là, il y a autre chose qui arrive pour vous qui est encore plus positif. C'est magnifique, mes petites vierges. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux taroscopes et de nouvelles vidéos. Je vous embrasse.